Bonjour à toutes et à tous, ici Éternel pour le jeu du cygne. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le DLC de Rogue Traders, Void Shadows. Dans l'épisode précédent, on avait fait une mission d'infiltration avec Kybella pour essayer de trouver le Némésite suite à une attaque de ce dernier sur le sanctuaire du vaisseau. Et là, Kybella a fait une divination. Et apparemment, ce serait le confesseur du vaisseau qui serait complice des mutins. Donc on est parti pour aller l'arrêter. On va dire, hop, sanctuaire du vaisseau. Bélan, toi, tend un doigt serti d'une griffe de métal en direction du confesseur Adalbert. Le tarot divinatoire vous a désigné comme le complice de notre ennemi Némésite. Dites la vérité, et rien que la vérité, devant le domine et l'immortel. Adalbert réagit aux accusations de Kybella avec un calme imperturbable, matiné de résignation majestueuse. Un défenseur du peuple et le sbire tyran, deux loyaux serviteurs aux idéaux contraires, deux âmes qui ont tout sacrifié sur l'autel du devoir. Je vois à présent que votre confrontation était inévitable. Adalbert tourne son regard vers vous et pousse un soupir dolent. On m'a averti de votre visite, Éternel. Je sais déjà ce qui vous amène. Qui vous a averti de ma visite? Mon fils, le protecteur des malheureux dont vous sucez le sang pour assurer votre survie. Ceux dont le dur labeur finance votre train de pacha sur les ponts supérieurs de ce vaisseau. J'exige des explications, révérend. Séance tenante. Votre tourmenteuse attitrée est chantre de la mort à raison. Je connais Némésite et je l'aide dans sa quête de justice. Tout comme lui, je suis votre ennemi éternel. Adalbert hausse le ton et sa voix de ténor se fait aussi lourde d'accusations que le roulement du tonnerre sous un ciel d'orage. Et je suis aussi l'ennemi de votre régime, ô combien cruel, où la vie n'est que poussière sous les bottes des prévôts, et où les petites gens meurent de faim et de désespoir, sous votre règne de terreur. Mais ce que je dis, Robin des Bois. Ce Urbach serre le poing sans faire craquer les phalanges. Vous n'êtes qu'un traître doublé d'un imposteur. Dire que j'ai écouté vos sermons et reçu la consécration de vos mains. Je m'en vais vous faire ravaler vos paroles et vos dents avec. Adalbert ne prend pas la peine de lui répondre, ni même de la regarder. Quand je pense à la comédie que nous avez jouée à propos des serviteurs qu'il a tués. Je les ai tous pleurés, mais ils n'étaient pas fiables. Ils auraient pu nous compromettre. Il fallait qu'ils disparaissent, mais c'est vous et vos chiens de prévôt qui avez leur mort sur la conscience. Vous qui les avez tués par peur de celui que nous sommes obligés de cacher. Vous ne cherchez même pas à mentir, c'est tout à votre honneur. Adalbert hausse les épaules et ses traits avenants se durcissent. À quoi bon, quand sonne la lalie, les molosses assoiffés de sang ne roncent pas avant d'avoir tué leur proie. Telle est votre nature bestiale. Or donc, vous êtes un hérétique. Non, l'hérésie n'est autre que ce en quoi vous croyez. Vous et vos petits copains esclavagistes. L'ecclésiarchie qui a transformé la foi en fouet pour faire avancer les masses laborieuses. L'aristocratie en bouclier pour dissimuler ses péchés. Et les prévôts en matraque pour tabasser ceux qui osaient lui avouer. Votre foi est un instrument de mensonge et de répression. Et je l'ai renié il y a bien longtemps. Ma religion à moi est mère de salut et non pas de servitude. Les yeux d'Argenta s'illuminent. Traître à la foi, vos propos blasphématoires mourront avec vous. Donc comme d'hab, même si c'est pas marqué, dogmatique, iconoclaste et hérétique. Donc hérétique, plutôt tendance à dire c'est pas bien ce que vous faites, mais vous avez l'air d'être efficace à le faire, donc je veux bien vous recruter dans mon équipe. Là c'est
vous touchez à tout ce qui est sacré à l'Imperium, vous êtes un hérétique. Donc plutôt dogmatique. Et là, ce serait bien de faire la paix, moi j'essaie de faire ce qu'il faut. Mais on va sans partir là-dessus, hein, on est iconoclaste. Moi aussi, j'aspire à une vie meilleure pour mes sujets, mais le chemin pour y parvenir n'a nul besoin d'être pavé de violence. Faisons la paix et changeons ensemble la vie à bord du vaisseau. Un bref instant, le visage du confesseur semble comme torturé par le doute, mais très vite ses anciennes convictions reprennent le dessus. Même si vos intentions sont pures, vous êtes trop corrompus, empoisonnés. Non, tout est limpide, c'est vous ou nous. Paix et coexistence sont tout bonnement impossibles. Êtes-vous au service du Némésite ou bien son supérieur? Je le suis comme il m'a suivi autrefois. Némésite est mon fils, sur le plan spirituel si ce n'est biologique. Je l'ai pris sous mon aile alors qu'il n'était encore qu'un enfant rebelle, et j'ai patiemment cultivé ce qu'il y avait de meilleur en lui. Une passion pour la justice, la flamme indomptable d'un vrai combattant, et une détermination implacable. Cela fait des années que je le prépare. Vous avez fait de lui un pion, un instrument qui sert aveuglément un objectif sans poser de questions. Kibella s'exprime avec prudence, comme si elle n'était pas tout à fait sûre de son jugement. Telle est sa raison d'être, incarner l'espoir, briser les chaînes et mettre fin au long siècle de sévices dont ce vaisseau a été témoin. Un grand sacrifice pour une cause qui l'est tout autant. Il se tait et regarde Kibella dans l'expectative. Vous devriez pourtant savoir de quoi je parle. La seule différence entre vous, c'est que vous avez été élevé comme une semeuse de mort et lui comme un semeur de liberté. À propos de quoi d'autre avez-vous menti? Une dernière confession? Pourquoi pas? Il se renfrogne et tire sur son col comme si l'air lui manquait. Je ne suis pas Adalbert. C'est le nom d'un initié issu d'un clan de confesseurs morts de maladie il y a de nombreuses années. Pour ma part, je suis né dans la misère sur les ponts inférieurs et à la demande du... Il hésite, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Et c'est sur ordre de l'ampleur que je me suis fait passer pour Adalbert afin de prendre sa place. Le défunt avait hérité de son clan une petite fortune et une grande influence, ce qui a considérablement accéléré mon ascension dans la hiérarchie. Mais si j'ai agi ainsi, ce n'est ni pour l'argent ni pour les pouvoirs. J'ai œuvré sans relâche pour l'émancipation du peuple, pour paver la voie de la libération face à l'oppression et l'injustice. Et ma mission est presque terminée. Kibella s'adresse à vous dans un murmure. Sa voix et son port ne manquent pas à Dominique Éternel. Il sent son heure approcher et il accueille la mort à bras ouverts. Les conditions jouent en notre faveur. Nous devons en apprendre davantage. Ce parjure ne nous livrera pas Némésite, mais ses propos nous en dévoileront un peu plus sur notre ennemi. Comment se fait-il que personne n'ait levé le voile sur votre supercherie? Vous n'avez pas connu les longues années où la peste a sévi à notre bord. Sur chaque pont, les confesseurs mouraient par centaines, aussitôt remplacés par des nouveaux ministres recrutés au premier port ou à la première station venue. Leurs noms et leurs visages se succédaient à une vitesse telle que nous ne reconnaissions plus nos semblables qu'à leur robe. Aucun de ceux qui connaissaient le vrai visage d'Adalbert n'a survécu à l'épidémie. Mais l'empereur m'a épargné ce triste sort. Votre libération prend sa source dans la trahison et le sang versé. Nous sommes en guerre éternelle, une guerre d'indépendance pour laquelle nous sommes prêts à tuer et à mourir, car notre ennemi est une brute tyrannique, sourde à nos revendications. Vous n'avez que ce que vous méritez. L'air déterminé, il pose une main sur son cœur. Sauerbach réagit à son geste avec méfiance de bon aloi et se saisit aussitôt de son arme, fin prête à éliminer toute menace dirigée contre vous. Alors, Némésite n'est qu'un homme ordinaire, tant mieux. Il est plus difficile de tuer une légende. Voilà bien les mots d'un tyran ivre de pouvoir et d'impunité, fait-il avec un sourire amer. Plus qu'un simple mortel, Némésite incarne un idéal, et vous, vous avez l'arrogance de croire que vous pouvez tuer un rêve fait cher. Mais c'est un mal pour un bien. Continuez donc à le sous-estimer. Vous comptez sur lui pour vous sauver? Non, nous en avons décidé autrement. Je ne suis pas digne qu'il risque sa vie pour moi. Alors n'espérez pas le capturer par mon intermédiaire. Mon fils n'a pas d'attache, car de tels liens ne feraient que l'affaiblir. Il est prêt à se sacrifier pour son rêve de liberté et d'égalité, et je dois en faire autant. Mon seul regret, c'est que par votre faute, je ne pourrai pas être à ses côtés pour alléger sa peine. L'attachement est une faiblesse. Le murmure de Kibella est à peine audible, et vous voyez son visage s'assombrir encore davantage. Vous avez fait de lui une arme, et réciproquement. Un dernier mot, Adalbert. Nous briserons nos chaînes et nous renverserons votre tyrannie. Et vous avec. Adalbert s'exprime d'une voix monocorde et dépourvue de haine, celle d'un martyr engagé sur la voie de la gloire posthume. Alors, condamné à mort pour trahison.
problème, c'est que j'ai un peu peur que si je le garde en vie, il continue à répondre ses idées. Mais j'ai pas envie d'en faire un martyr en fait. Malgré vos crimes, je vais vous garder en vie. Sauverbach, interpellez ce traître. De toute évidence, vous confondez mon humilité face à la mort avec la soumission, rétorqua Adalbert avec un faible sourire. Ce n'est pas à vous de décider de mon sort. Je vais m'ôter la vie de mon propre chef au nom de ce noble combat dont dépend notre avenir. Je vais mourir, certes, mais je vais aussi vous emporter dans ma chute. Il claque des doigts et les initiés qui se tenaient à ses côtés sans broncher se tournent vers vous comme un seul homme, ouvrant leurs robes blanches pour révéler tout un arsenal d'armes diverses et variées. Pour Némésite, camarade, pour la liberté. C'est un piège, seigneur capitaine, il nous attendait. Le cri de Sauerbach tonne à vos oreilles, étouffant au passage les bruits de pas précipités et le fracas des armes en place d'acier. Aïe. Alors, un petit combat contre des ecclésiarques, pourquoi pas. Je suis tombé dans une embuscade, de toute façon je peux pas me préparer autrement. Qu'est-ce qu'elle a elle? Comme des buffs Argenta? Intégrité, ah oui c'est quand elle est pleine, plus 10 de capacité de tir et plus 2 points de mouvement. Alors, bête, pourquoi il s'appelle encore bête de... Ça m'a marqué bête de Véabos, comme quand j'étais sur le... Dans le... Ah! Dans la chapelle astropathique et qu'on affrontait les fantômes. Et, je sais, il y a des légers bugs de localisation de... et d'affichage de personnages. Où est-ce qu'il pourrait avoir un bon angle de tir pour massacrer le plus de monde possible, elle? Ici. Je pense que je vais la mettre par là. Comme ça, là, elle pourra avoir deux alignements. Ouais, là normalement elle voit tout le monde. Alors, je vais réduire un peu la vitesse de déplacement par contre. Hop. Je. C'est pas là qu'est la vitesse. Accélération des animations du groupe. Hop, donc on a dit un tir rapide. Normalement j'ai tout le monde en ligne de mire. Hop. On fait un incendie. Moins deux. Un petit tir à la volée. De toute façon, ils sont déjà plus que deux à tuer. De ce côté-là. Et c'est tout. On va faire un petit récital. Hop. Pourquoi je peux pas tirer ? Ces deux-là, je peux pas leur tirer dessus. Lui, il est hors de vision. Lui, il est hors de vision. Et tous ceux-là sont morts. On va finir Adalbert. Ensuite, c'est à moi de jouer. Fuite de Prométhium, c'était quoi ça? Ah, c'est il était chargé pour exploser. Toi, tu vas aller te planquer ici. Non pas que ça ait beaucoup d'importance vu le peu de monde qui reste. Ils sont encore 4, j'en ai 3 ici et 1 là. Lui, il va être chiant à les chercher. Mais comme je peux pas tirer beaucoup, c'est lui que je vais me faire avec Éternel. Taking calculated risk is my second nature. Pose les proies. Lui. On le tue, lui aussi. Avec le tir de ricochet. Lui, on l'achève. Il en reste plus qu'un. Et ça va être Idera qui va laisser le faire. Idera.
Hop. Ah oui, c'est vrai qu'ils prennent des dégâts quand ils sont proches d'elle, du coup. On va y mettre le feu. We'll do farewell. Without letting low rock trader. Hop. Est-ce qu'elle est encore vivante? Oui. Ah, elle a de la chance, hein. Ses deux copains ils sont morts, mais elle est encore vivante. Le combat terminé, le silence règne à nouveau entre les murs de la chapelle. Une pluie de cendres tourbillonne dans l'air avant de se poser sur le sang qui coule lentement sur le sol. Vous devriez voir ça, Domine Éternel. Penché sur les corps du confesseur qui bêlade découpe son col avec sa lame, révélant au passage une minuscule cicatrice sur sa nuque. Une lésion identique à celle de l'ouvrier capturé dans la salle des réacteurs à plasma, à cette différence près que celle-ci s'est refermée depuis longtemps. Or donc, il était lié lui aussi à l'aberration génétique, décidément. Nous en savons désormais bien plus au sujet de notre ennemi, fait Kipela en longeant. En longeant lentement du doigt le plat de sa lame, le poison de la conspiration circule jusque dans les veines les plus profondes de votre vaisseau, mais la toile de sang a d'ores et déjà resserré ses filets sur ses compartiments, et Némésite n'a plus aucun espoir à nous échapper. Oui, on sait toujours pas qui c'est, mais... Shosekasta Sauerbach, ses réflexions sont interrompues par un sifflement furieux. Sauerbach lâche un juron entre ses dents serrées et crache sur les restes encore fumants d'Adalbert. Son bras gauche pend mollement le long de son flanc et son visage est défiguré par le shrapnel. Nous avons un prisonnier, Seigneur Capitaine. Elle tend son arme en direction de l'homme qui se plie de douleur. Permission d'achever ce bâtard. L'initié Ziek. Ah bah, le tyran! L'initié à la forte carrure dénommée Ziek fait pression sur une plaie profonde tout en dardant sur votre personnage un regard haineux. Combien d'autres mutins de votre acabit se cachent encore à bord de mon vaisseau? Vous allez me divulguer leurs noms, l'endroit où ils se réunissent. Tout. Selon le confesseur, il y a dans tous les compartiments des gens acquis à notre cause. Ils m'ont promis de m'introduire dans le cercle de nos croyants les plus fervents. Et alors je saurai, mais même dans ce cas-là, je ne vous dirai rien, pas même sous la torture. Où se retrouve le repère de Némésite? Même le confesseur ignorait où il se trouve. Il avait bien trop peur des espions ou de finir par révéler les secrets de son fils sous la torture. Vous voyez, vous ne trouverez jamais notre champion. Dites-moi, sale traître, vous serviez Némésite pour la cause ou juste pour l'argent? Siek vous adresse un rictus ensanglanté. Il nous a promis la liberté. Il nous attendait, c'était un piège. Oui, seigneur capitaine, Adalbert était au courant, mais il n'a pas cherché à s'enfuir pour autant. Au contraire, il est resté pour nous tendre une embuscade. Croyait-il vraiment que cette folle entreprise aboutirait et qu'il réussirait à sauver sa peau? Il n'avait que faire de survivre. Son seul et unique objectif était de tuer. Némésite a réussi à transformer son père adoptif en lame braquée sur la gorge du Domine, tout comme Adalbert avait fait avant lui, avait fait de son fils une arme. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais eu peur de la mort. Trop d'indices concordent pour désigner Némésite comme un kélomorphe. Une unité xéno spécialisée dans la subversion. Ces créatures exploitent le mécontentement des masses laborieuses et les incitent à la révolte, afin de renverser les autorités locales fidèles à l'Imperium et d'installer à leur place des cultistes génestileurs. Ce misérable porte le masque d'un chef populiste, un modèle à suivre pour les mutins des bas-fonds. Cette histoire ne s'arrêtera que lorsque l'un de vous deux aura été éliminé éternel. À présent, décidons du sort de notre traître survivant. Ne le tuez pas en vain, songe Kibela en secouant la tête. Les disciples qui suivent les préceptes de la toile savent que nous servons aussi bien la mort qu'elle nous sert nous. Arrangez-vous pour que le trépas de cet homme soit l'instrument de votre volonté éternelle. Faites passer son cadavre pour celui de Némésite. Instillez la peur dans le cœur de ses partisans. L'ennemi sera contraint d'agir pour dénoncer son mensonge, et ce faisant, il se jettera dans la gueule du monde. Nous allons suivre la suggestion de Kibela. Nous veillerons à ce que le héros des ponts inférieurs soit porté pour mort. Nous exposerons le corps pendu à la vue de tous le temps qu'il faudra pour que les espoirs des mutins pourrissent avec lui. Voilà. Tu vas te prendre un coup de matraque. Boum. D'accord. Deux coups de matraque. Nous voilà débarrassés d'un traître, seigneur capitaine. Mais combien d'autres encore ont été intoxiqués par l'hérésie du faux confesseur? Un nouveau guide spirituel doit être nommé au plus vite, afin d'affermir leur foi et leur obéissance, tout en éradiquant les pensées séditieuses que cet imposteur a pu semer dans les esprits de l'équipage.
Sans pasteur pour veiller sur le troupeau des croyants, la populace imaginera que l'empereur nous a abandonnés, et le doute fera le lit de la rébellion. Alors, c'est quoi mes choix? Ferveur vertueuse, putain, j'y arrive plus. Bouclier sacré ou salve implacable, ça fait quoi ça? Plus 15% de critique. Ça, puissance des boucliers latéraux du vaisseau est augmentée de 10%. Et les navires d'attaque et les torpilles gagnent plus de points de déplacement dans le vide. Ça peut être pas mal ça, la vitesse de déplacement. Hérétique disciple, ça m'aurait apporté quoi? Vitesse servante. Vitesse du vaisseau amiral est augmentée de plus. D'accord. Et sinon, ce qui sera ferveur vertueuse par défaut. Bouclier, c'est pas très intéressant. Les chances de critique, ça peut être sympa. Ouais, je peux peut-être pas donner ça à la toile de sang quand même, faut pas déconner. Le credo doit être scrupuleusement observé à bord du vaisseau, puisque la foi des cosmomarins est vacillante, que le haut factotum se charge de recruter ailleurs un véritable serviteur de l'ecclésiarchie. Il en sera fait selon votre volonté. Je vais également donner l'ordre de restaurer la chapelle. Ouais, le haut factotum, dernière nouvelle, il était toujours à l'hôpital avec une balle dans le buffet, mais... Je vais déployer des agents sur tous les ponts. La prochaine fois que Nemesis se manifestera, ce qui ne saurait tarder, nous aurons une longueur d'avance sur lui, non pas l'inverse. Ouais, je doute que ce soit aussi simple, mais... Sawyerback s'éloigne en chancelant et votre regard se retourne vers Kibella, qui se tient immobile, absorbé dans la contemplation de son propre reflet dans une flaque de sang. Quelque chose ne va pas? Je pense à Nemesis, mon adversaire. Plus j'en apprends à son sujet, plus je vois en lui un vague reflet de ma propre personne. Un reflet distordu peut-être, mais dangereusement familier. Tout comme moi, on l'a forcé à suivre dès son plus jeune âge la voie de la servitude, et on l'a privé de tout ce qui risquait de le détourner de son devoir, tel un champion et un fanatique entièrement dévoué à un idéal, forgé et galvanisé par son mentor. Il est vrai que vous ressemblez une fille qui vous prouvez l'empereur Dieu que les préceptes de la toile sont plus forts que les absurdités. Quoi. Vous êtes différente, c'est un assassin lui aussi, mais vous, vous comprenez la vraie valeur de la mort humaine. C'est vrai, tel un marionnettiste, il tire les ficelles du destin des autres pour mieux les couper et les entremêler. Pour ma part, quand je tranche l'un de ces fils, je ne fais qu'accomplir la volonté de l'empereur avec rigueur et ponctualité. Je dois arrêter Némésite afin d'éviter une mort prématurée à vos sujets. Oui, je veux bien. Allez, pillons le cadavre. Châtiment ardent. Lance-flamme lourd. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Dégâts de feu dans un large cône. Et ça, ça met le feu. D'accord, donc... Les dégâts sont les mêmes, sauf que ça en plus, ça met le feu dans la zone. Ok, de toute façon c'est du lance-flamme lourd, c'est pas vraiment le truc que j'utilise le plus. La cible de l'attaque à distance de l'utilisateur doit réussir un test de résistance d'endurance avec une pénalité de moins 10. En cas d'échec, elle subit l'effet épuisement, et épuisement c'est... D'accord, coup critique automatique contre la cible. Et armure lourde en cuir classique. C'est quoi, c'est la prière? Moi, non, j'ai déjà fait la prière. Oui. Je défends ce qui m'est cher. Hop. On finit de looter. Encore du lance-toile. Hop. Ça loot plus en masse maintenant. Un marteau tonnerre. Ah, c'est bien marrant, le marteau tonnerre, il l'appelle marteau thunder. Ils ont pas fini la traduction. C'est quoi le pistolet que je viens de ramasser? La princesse des frites. Pistolet rafale laser. D'accord. 40 de réduction d'esquive, pas mal. Donc du coup la suite maintenant.
suis en quoi là? Carte inversée, ça doit être la quête de Kibala, ça. Rituel des ponts. Oui, j'espère qu'il a récupéré le haut factotum. Donc ça c'est pour Mazarai. Non, ça c'est la fin de la quête. Les basses sphères, ça c'est fait. Compilateur. Donc chapitre 2. Il faut que j'aille anéantir la station de la faille d'Eriok. Et après il faut que j'attende le rapport. Ok. Bien. I always keep my options open. On va donc essayer de se diriger vers la planète comme c'était prévu à l'origine avant d'être interrompu. Jusqu'au prochain événement. Mais je pense que si tant le nettoyage de la faille, c'est aussi un élément secondaire de la campagne, je pense. Je pense que le principal de la campagne se joue uniquement dans le vaisseau. Le principal du DLC se joue uniquement dans le vaisseau. Et qu'il y a des quêtes secondaires qui se déroulent sur l'extérieur. Mais en attendant que ça fasse repop les prochains events, on va les nettoyer pour faire briller. Hop, carte des étendues de Cronus. Donc, visiter. Station de la faille d'Eriok. Hop. Bienvenue dans notre humble station commerciale de la faille d'Eriok, votre seigneurie. Intendant Pontius Lockten pour vous servir et offrir à notre hôte de marque le meilleur équipement et module de vaisseau disponible sur le marché. Vous entendez le maître Timonis s'esclaver sur le canal Vox interne. Une station commerciale? Peu la bonne blague. Tout le monde dans les étendues sait que c'est un repère de pirates et la plaque tournante de leur butin mal acquis. Cela dit, il faut reconnaître qu'ils ne s'en prennent jamais à leurs clients, raison pour laquelle ils sont encore en vie à ce jour. Seigneur Capitaine, les canons du vaisseau sont parés à faire feu. La station est bien fortifiée et ses habitants tenteront sûrement de riposter, mais ils ne sont pas de taille à nous résister. Un mot de votre part et nous raserons ce repère d'aberration génétique. J'aimerais améliorer l'arsenal du vaisseau. Qu'est-ce qu'il me propose du coup? Ça me propose un mortier de prométhium. Moyenne d'orso, 3 coups, 14 de dégâts, en portée moyenne. Déclencher des incendies internes pendant 3 à 4 tours. Ah! Ça me coûte que 1 de profit. On va tenter, voir ce que ça donne. J'ai besoin d'un moteur plus puissant, qu'est-ce que tu me proposes? Moteur bélier de classe 3, modèle Saturnine. Vitesse de 12, accélération élevée, freinage, efficacité moindre. 3 points de déclassement lors de l'utilisation du bélier. Ouais, parce que j'utilise pas beaucoup le bélier, j'arrive jamais à me positionner comme il faut. Je vais donner un coup d'œil à ce modèle, ce sera une belle acquisition pour votre sommeil. Cette tête prise de la machine est certes un peu têtue, mais sa rapidité compense largement. Pour autant, cela n'a pas suffi à sauver son précédent propriétaire. Détrompez-vous, le précédent propriétaire était amarré sur le quai quand il s'est fait aborder. Pardon, je veux dire que la marchandise est tout ce qui est le plus légal, bien sûr. Quelles sont les dernières rumeurs? Aux habitants de la faille d'Eriok, ici éternel Von Valentius, rendez-vous sans résister, vieil mutant, et je vous offrirai une mort rapide. L'empereur a pitié de nous, quel mutant? Nous ne sommes qu'un petit groupe de cosmomarins et de négociants inoffensifs. Je vous prie instamment de quitter l'orbite de la station, sans quoi nous serons obligés de nous défendre. Comment comptez-vous me prouver que la station n'est pas infestée d'aberrations génétiques? Veuillez pardonner mon impertinence, mais c'est à l'accusation de fournir les preuves de ce qu'elle avance. Quels que soient les crimes qu'on puisse nous imputer, les mutations aberrantes n'en font pas partie. J'aime autant vous prévenir que nous n'aurons pas sans combattre. Je ne me laisserai pas abuser par la duplicité des hérétiques. Préparez-vous à mourir. Ah, c'est quoi, un combat spatial?
You are going to do battle with them in this crude vessel. Ah tiens, c'est nouveau ça. Nébuleuse du vide explosive. Ces nuages de gaz explosif améliorent les capacités des macro-canons, mais augmentent les dégâts subis et infligés des vaisseaux. Des dégâts à tout vaisseau qui lance une attaque. D'accord, donc ça augmente les dégâts quand tu tires, mais tu subis des dégâts. Ah d'accord, et on attaque. Tour de contrôle, générateur de champ protecteur. Ça c'est quoi? Nuage de gaz et de poussière. Évasion plus 30, moins 1 de manœuvrabilité, moins 3 de vitesse, uniquement pour le vaisseau amiral, merci. Moins de chances de toucher et moins de portée. D'accord. Celle-là, elle est quoi? Électrique. Plus 20% de bouclier. Ça c'est la même, plus 20% de bouclier. Champ d'astéroïdes. Inflige des dégâts à tous les navires à l'intérieur. Donc il y a quoi? Il y a un vaisseau, deux vaisseaux, trois vaisseaux, tourelle de lance du vide, un générateur de champ de bouclier et une tour de contrôle. Et tiens, c'est moi qui ai au centre vaisseau. Ah non, c'est les ennemis, ça, d'accord. Oui, moi j'en ai qu'un seul. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est le bonus que j'ai? Détection de cible. D'accord, donc leur tour, même si je suis loin, elles vont de toute façon me tirer dessus. Bien. Alors, donc j'ai de la torpille. J'ai batterie de lance, large arc de tir, mais portée courte. Oui, ça c'est mon dorsal. Mes deux latérales et mon attaque de bélier. Ensuite, putain, j'ai plus personne au maître canonnier. Oh, putain, il m'a encore viré quelqu'un. Portée de tir augmentée de 2. Non, ce qu'il me faut, c'est un truc pour accélérer la vitesse. Non, j'ai pas besoin d'effectuer un demi-tour. Ça, c'est pour se mettre sur les côtés. Ça peut être pas mal si j'arrive à m'accrocher assez. Ah, si, j'ai ça pour gagner 5 de mouvement. Hop. Ce qui peut-être du coup me permet de pouvoir me mettre à portée avec pas mal de mes armes. On va essayer de se focus sur les tourelles lance du vide. Putain, il y en a 5 des tourelles. Hop. Là, du coup. Boum. On va finir celle-là. Moins une. Il faut que j'avance encore un petit peu. Hop, du coup, lui, je peux le cibler. Est-ce que j'ai encore combien de cases? J'ai plus qu'une seule case. Donc je peux pas cibler la deuxième tourelle, mais lui, je peux le cibler. Ah, par contre, je peux faire ça. Hop, une tempête empyréenne. Ouais. Pour d'une efficacité folle. Hop. Ouh, il a pris cher lui. Hop, excusez-moi. Il me reste un tir sur lui. Ah bah lui il a carrément explosé. Portée de tir ça sert plus à rien. On va balancer une torpille pour aller s'occuper de celui-là au prochain tour. Et je crois qu'on a fini. Lui il est trop loin pour faire quoi que ce soit. Aïe. Aïe. Ah, je les ai pas vus ceux-là. Alors, mes torpilles du coup. Hop. Et un de moins. Du coup, on va s'avancer. Tiens, ce que je fais, pas un petit percussion. Boum. J'ai perdu mon bouclier. Deux postes sélectionnés. Non, ça ira. On va relancer une attaque empyréenne. Ah, c'était pas assez pour le tuer. Damned. Par contre, je peux le forcer à tourner, ça va lui infliger des dégâts et normalement ça devrait suffire à le tuer. Voilà.
Hop, on va finir la tourelle. Voilà. Et on va continuer à tabasser les tourelles, parce que c'est ça qu'il faut que je nettoie. Les intercepteurs, je m'en fous un peu. Si je me décale de 3 cases, je sais pas si ça changera grand chose. Non, je pense que de toute façon je pourrais pas tirer quoi qu'il arrive. Par contre je peux... Ah oui, je peux avancer par là, comme ça là je peux tirer sur le générateur bouclier. Générateur de protecteur. Et on a dit qu'on allait plutôt essayer de flinguer les tourelles. Ok. Et impulsion de bouclier, ça fait quoi? Un vaisseau. Ok. Ouais, ça c'est juste pour virer les boucliers sur les vaisseaux. Comme il n'y en a plus, ça ne sert pas à grand chose. Il faut que je finisse mon mouvement. Hop. Aïe. J'ai plus de bouclier avant. Même temps, j'ai... Ah si, c'est ça pour recharger le bouclier, j'ai oublié. Même temps, la portée, on s'en fiche, et au moins au prochain tour, j'aurai un nouveau bouclier. On va lancer torpille dans cette direction pour s'occuper de cette tourelle-là. De toute façon, avec cette... celui-là, je pourrais... Ah si, attends, ce que je peux faire éventuellement... On va déjà commencer par tirer sur le générateur de champ. Ensuite... Donc ça, ce sera géré par les torpilles. Là, je vais m'avancer un petit peu, hop, pour finir celle-là. Nickel. Par contre... Ah si, c'est bon. Là, je peux effectuer mes virages un peu plus serrés pour me mettre dans la bonne direction. Pour pouvoir tirer sur la tour de contrôle. Et on va relancer une tempête empyréenne. Puisqu'il n'y a plus beaucoup de cibles, elle devrait être efficace celle-là. Ouais. C'est joli, mais c'est quand même pas violent. Quoi. Ah, ça marche pas sur les dégâts. Donc, on passe. Ah, tiens, ici, je croyais qu'il ciblait forcément le vaisseau amiral. Donc, mes torpilles. Aïe! On va utiliser, non, plutôt ça, à plus de tour de contrôle, on avance, hop, on va se faire cela, comme ça. Ah, le problème c'est que comme c'est plein de petits vaisseaux, les tirs uniques c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Hop, lui, on va le finir, et est-ce que je peux me tourner assez pour finir les autres? Je pense pas, mais je pourrais peut-être les avoir à la tempête empyrienne. Qui sont tout seuls normalement, voilà. Nickel. Pardon. Alors, Seigneur Capitaine, leur résistance est brisée et les équipes de nettoyage sont en train de se poser sur la faille d'Erioc. Quels sont vos ordres? Alors, assurez-vous qu'aucun mutant n'a survécu, fouillez les lieux de fond en comble et rapportez tout ce que vous y trouverez d'intéressant. Ouais, non. Je sais pas, parce qu'on essaie un coup à se récupérer des trucs qu'il faut pas. Puisse cette station servir la marine impériale à devenir son avant-poste. La faille d'Erioc reste une précieuse plateforme d'échange. Nous allons continuer à commercer avec les pirates. Désormais, cette station m'appartient. Donc plutôt communauté vide, mais je sais absolument pas où est-ce que j'en suis avec mes réputations du coup. Sécurité plus 15. Ouais. Détruisez la station, sécurité plus 2. Assurez-vous qu'aucun mutant n'a survécu, on va commencer par ça. Seigneur capitaine, les prévôts ont eu beau passer la station au Pagnifin, ils n'ont pas décelé la moindre trace de l'opération génétique. Les victimes ont l'air de gens ordinaires et leurs entrailles le sont tout autant. Raté. Vous avez perdu votre temps en fouillant les compartiments au lieu d'inspecter les systèmes de survie, mais au moment où on a battu une cloison suspecte derrière laquelle se cachait tout un nid de mutants. Ah ah. Donc il y en avait bien quelques-uns. Tenez votre langue, Montague.
ne cherchez pas à faire passer un simple coup de chance pour un trait de génie. Le vox retransmet des bruits de pas assortis d'un chapelet de jurons inintelligible. La capitaine d'armes adopte une expression pensive. Si je sais bel et bien d'un repère d'illuminés, il faut bien avouer qu'ils ne paient pas de mine. Tous les symboles de leur foi impie sont grossiers et rudimentaires. Quelques sacs de couchage, des armes primitives. Un ancien poste vox et presque rien qui laisse présager de futurs attentats. Quelque chose nous dit que nous avons déjà eu affaire à des ennemis autrement plus dangereux. Alors plutôt marine impériale. Non, plutôt communauté de vide. Je sais pas où j'en suis avec eux. On va. Et ça augmentera mon facteur de profit, même si je suis pas certain d'en avoir encore vraiment besoin. Bon, je voudrais quand même le faire, fouiller la plateforme des fois qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Des composants pour vaisseau. Ouais, ok. Sinon, j'augmente la sécurité. Ouais, je crois que j'ai fini avec mes. Oula! Objet reçu. Ah bah, le bélier qui voulait me faire acheter, finalement, je l'ai récupéré gratos. Arsenal à plasma disruptif. Des charges ioniques depuis les macro-canons à plasma. Elles explosent immédiatement à l'impact et neutralisent le bouclier de la cible sur trois côtés. En plus d'infliger l'effet ionisé qui réduit les chances d'infliger des coups normaux et critiques lors du prochain round. Matrice de détection. 85% d'infliger un coup et 10% de critique. L'évasion de vaisseau de 15% les rend plus difficiles à toucher. Ah, c'est pas mal ça. Les chances de toucher sont pas énormes, mais le plus 15% d'esquive, c'est sympa. Et les composants pour vaisseau, ça c'est pour la réputation. Non, on va faire de la sécurité. On va le remorquer à ma capitale pour augmenter la sécurité. Hop. Donc ça y est, machin, il a récupéré. Du coup, mon vaisseau. Gestion du vaisseau spatial. Arsenaux. Ah oui, ça c'est nouveau ça. On n'y avait pas aussi avant. Hop. Donc ça, j'ai quand même moins 13% de chance de toucher en moins. Mais pour récupérer 15% d'esquive. Ouais, peut-être que ça vaut le coup. Donc le bélier, ça c'est uniquement pour quand on charge, mais je charge quand même pas beaucoup. Revêtement de galion. 9 points de tous les côtés, alors que là j'ai 12 points bâbord et tribord et 5 points de tous les autres côtés. Ça me fait du 36 au total, alors que là je suis sur du 34. Ouais. Ouais, donc ça c'est celui que je viens de déséquiper, celui-là il est une vitesse de 15 mais une manœuvrabilité beaucoup plus faible. Là je suis déjà 490 sur tous, et en armes j'ai rien de bien nouveau. Non, par contre ce que je voulais c'est l'équipage. J'ai plus grand chose à améliorer, je comprends pas pourquoi j'ai plus de maître canonnier. Pourquoi est-ce qu'Argental s'est barré? Maître des boucliers, c'est toujours lui le meilleur. Maître des manœuvres, c'est avec l'athlétisme. Kibela, elle se débrouille, mais elle apporte aucune capacité. Le warp, je vais la laisser, elle, ça reste quand même le meilleur. Maître des éthers. Maître des éthers, ça serait moi le mieux placé, mais elle, elle a un bonus. Parce que si c'est moi, j'ai quoi? J'ai analyse de vulnérabilité, augure d'arc et prémonition. Alors qu'elle a l'analyse de vulnérabilité améliorée. Donc on va plutôt la laisser elle. Et commandant suprême, ouais, ça reste elle parce qu'en persuasion c'est elle la meilleure. Ok, donc c'est bon, j'ai récupéré mon maître canonnier. Il faut que j'utilise course rythmée. Et que ma coque n'ait pas de dégâts pour pouvoir améliorer course rythmée. Tout ça s'est amélioré, ça aussi et ça aussi. Donc j'ai juste la course rythmée à améliorer. On va réparer. Hop. Du coup, où c'est qu'il faut qu'on aille? Donc il faut que j'attende le prochain rapport des officiers. Compilateur hors service, sinon je peux essayer d'aller là. Hop, carte de Cronus. C'est bien, c'est la première fois que j'affronte autre chose que des vaisseaux. Où suis-je? Je suis là. Il faudrait que j'aille là. J'ai pas vraiment de chemin direct. J'ai même pas du tout de chemin direct.
Je pourrais en établir un, mais ça, j'ai déjà plus beaucoup de points, donc on va naviguer. De toute façon, il y a des chances que pendant la navigation, du coup, il me relance. Il me relance un event, donc des rapports font état de l'apparition d'une tempête warp sur la trajectoire du vaisseau. Il devrait être facile de contourner la zone dangereuse, mais les messages insistant de la navigation ont une étrange intonation, comme si, pour une raison quelconque, elle souhaitait à tout prix s'approcher du déferlement de warp. Sans remettre au jugement de la navigatrice et mettre le cap sur la tempête warp. C'est un des persos qui m'accompagne depuis le début, je vais lui faire confiance, mais... L'état d'urgence est déclaré à bord. Une répugnante entité du warp transperce le voile ténu du champ galère, faisant apparaître des bêtes ineffables à la carnation surnaturelle. Les hurlements des membres d'équipage et les ricanements répugnants des démons du warp résonnent à travers les systèmes box. Il faut intervenir immédiatement. De l'équipement militaire sera envoyé à l'équipage qui aura une chance de prouver sa valeur en éliminant les ennemis du seigneur capitaine. Sinon, c'est... Don sacré, galvigné par les présents sacrés qui leur ont été accordés, les loyaux serviteurs de l'empereur Dieu affrontent ses ennemis sans vaciller. Allez! La foi inébranlable que les reliques sacrées ont insufflée dans l'esprit des cosmomarins ne laisse aucune place à la peur et au doute. Malgré le nombre impressionnant de victimes, leur sacrifice n'est pas vain. L'ennemi est éradiqué. Hop. C'est quoi l'événement imprévu ici? Un événement imprévu dans le coin. Un officier de l'équipe des augures vous informe que ce monde couvert de forêts luxuriantes et de hauts massifs montagneux ne revêt aucun intérêt particulier si ce n'est qu'un groupe de xénos s'y livre une bataille acharnée. Une multitude de petits vaisseaux sont concentrés sur un secteur précis, certains étant lourdement endommagés, voire entièrement détruits. Entièrement détruit, autour de l'amas d'astronefs, les scanners détectent un grand nombre de xénomorphes employant des armes et des technologies non identifiées. À en croire Marazai, il s'agit probablement des survivants de la tempête ravageuse, aux prises avec leurs poursuivants des autres cabales, qui cherchent à les éliminer. Le xéno insiste pour se poser sur la planète afin d'aller aller à la rencontre des siens, ou à défaut de se jeter sans cérémonie dans la bataille, quelle que soit l'identité des combattants adverses. Il exige que le seigneur capitaine l'envoie sur place avec ses meilleurs guerriers. Laissez Marazai prendre part au combat aux côtés de l'escadron d'assaut. Attendre que les xénos s'entretuent. On va laisser Marazai y aller, si ça lui fait plaisir. De longues heures s'écoulent avant que la navette de Marazai regagne le vaisseau amiral. Tout le groupe envoyé à la surface de la planète, le xéno couvert de sang, de la tête aux pieds, est le seul à escaper. Avec un sourire arrogant qui n'est pas sans évoquer le rictus d'un serpent, Marazai, visiblement content de lui, remet au seigneur capitaine un trophée ensanglanté. Fusil à fusion archéotechnologique. 25-38. 60% de dégâts en plus contre les ennemis qui sont affectés de combustion. Ça commence à piquer quand même, plus 60% de dégâts sur une arme qui tabasse déjà pas mal. Avec 80% de pénétration d'armure, ça commence à faire. Voilà, bon, donc c'était pas du tout ça que je cherchais à faire. Donc on retourne à notre point de départ, en attendant que les officiers arrivent à détecter le Némésite. Par où est-ce que je peux passer pour aller jusque là-haut? J'ai un trajet... De toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir que je passe par du rouge, je pense. Donc non, je peux peut-être passer par du orange par là. On va tenter. Hop, hein, voyager dans le warp. Ah! Votre plan a fonctionné, seigneur capitaine. Nos provocations envers Némésite et l'exécution du traître à Adalbert ont poussé leurs comparses à sortir de leur trou. Mes hommes ont capturé un certain nombre de suspects et ont réussi à leur faire cracher le morceau. Ce fumier entend venger la mort de son mentor en commettant un attentat lors de la cérémonie de consécration des officiers.
L'apostasie de ce mécréant d'Adalbert ayant éclaté au grand jour, le nouveau confesseur se doit de veiller à ce que les officiers renouvellent leur serment envers l'empereur Dieu. Or, la tradition veut que les familles des communiants assistent à la cérémonie, et ce sont elles que le Némésite compte prendre pour cible. Son but est d'exterminer d'un même coup l'ensemble de l'élite du vaisseau. J'ai donc donné ordre de lui tendre un piège. Désirez-vous prendre part à l'opération? Quel genre de piège? Nous remplacerons les civils par des prévôts et leurs proches du même âge. Et ils cacheront leurs âmes sous leur tenue de cérémonie. Quand Némésite tentera de frapper, il en sera quitte pour une cruelle déception, la dernière de sa misérable vie. Comment ça, du même âge? Vous voulez dire qu'il y aura des jeunes et des personnes âgées sur le même lieu? C'est indispensable si nous voulons donner le change. Je vous assure que tous mes hommes sont prêts à exposer leur famille, sans hésitation, pour servir les intérêts de la dynastie von Valensius. C'est rassurant. Mais ça m'étonnerait que ça se passe comme prévu, mais... Je serai présent pour la cérémonie. Vous entendez le crépitement soudain d'interférence, suivi de Kibella qui se joint à la conversation. Domine éternel, les murmures de la mort prononcent le nom de Némésite de plus en plus fort. L'heure est venue pour moi d'affronter l'ennemi face à face. Très bien, nous allons le capturer ensemble. J'avais pas prévu qu'il en soit autrement. Entendu, si la voix de Kibella reste calme, elle vous semble encore plus sinistre et menaçante que d'habitude. Il va y avoir un twist. Tan-tan-tan. Ils sont pas nombreux. Les rangs de prévôts en civil écoutent silencieusement les paroles de leur confesseur. Tous les individus choisis par Sauerbach sont vêtus à la façon des membres des familles d'officiers. Près de vous, une vieille dame à l'air aimable tripote un mouchoir à mi-donné. Croisant votre regard, elle sourit de sa bouche édentée et vous murmure « Tout se déroule comme prévu, votre seigneurie. » Observez les participants. L'illusion est totale. Et chacun joue son rôle à la perfection. Le capitaine leur a sans doute donné des consignes détaillées et montré comment dissimuler leurs armes au mieux. Tous portent leurs plus beaux atours et vous serez bien en peine de dire où ils cachent leur armement. À ton avis, petit coquin. Pardon. Et qui êtes-vous donc, Madame Matriarche? Belinda Rivor, seigneur capitaine, ancienne lieutenante supérieure des prévôts réaffectée au personnel de vos quartiers en raison de mon âge et de ma santé déclinante. Mais comme vous pouvez le voir, prévôt un jour, prévôt toujours, dit-elle en affichant un sourire amical de célèbre exsangue. Pourquoi ce Urbach confierait-elle ma sécurité à quelqu'un d'aussi âgé? Le capitaine d'armes doit se souvenir que Belinda n'avait pas son pareil avec un fusil parmi les prévôts. Et il sait que mon habileté n'a pas décliné au fil des ans. J'ai servi 40 années durant, et aujourd'hui encore, je peux dire si quelqu'un transporte de la contrebande dans ses poches rien qu'en observant sa démarche. Je suis reconnaissant à sa maîtresse Sauerbach de m'avoir choisi. Je ne veux pas mourir dans mon lit. Permettez-moi de tomber au combat en défendant le seigneur capitaine et en écrasant les traîtres. Belinda fait un signe de tête impérieux, mais distrait en se tamponnant les yeux avec son mouchoir. Vous pensez que Némésite tombera dans notre piège? À en juger par les coups d'œil que jette le cerf au dernier rang, Némésite a avalé l'appât comme le rat du vide qu'il est. Il sera bientôt dans le gruau jusqu'au cou, dit-elle avec un sourire innocent. La cérémonie s'achève, les vœux sont prononcés, et le front de chaque officier est gratifié d'un frôlement du confesseur. L'heure est maintenant à la prière de clôture. Et puisse l'empereur Dieu nous protéger. Et allez, une voix à la fois puissante et menaçante résonne dans la salle, interrompant les paroles sacrées. Mais pas aujourd'hui. Fin de la discussion. Ah oui, effectivement, il a un bras en plus. Alors, vaincre Némésite et ses partisans. Quel est... Ah oui, 517 points de vie quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? 35, 64, ouais, classique. Il a aucun effet particulier. C'est juste qu'il a 3 armes, quoi. Une arme à tir unique et 2 armes à rafale.
Enfin oui, t'as sans doute aussi d'autres capacités, mais que j'ai pas encore détectées. Ok. Insurgé, ouvrier, ouais. La piétaille essentiellement. Du coup, qu'est-ce que j'ai là? Ils sont tous morts, ils sont que 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque un quelque part, j'ai dû rater. Ben on va mettre Miss Argenta ici pour qu'elle puisse faire son office. De toute façon, c'est elle qui joue en premier. On va mettre Cassia quelque part par là pour qu'elle puisse nettoyer ce qui restera. Henrix, il est où? Ici pour buffer tout le monde. Il dira pareil. Eternal, il va rester là, il est à couvert. Équipe est là. Elle va aller s'occuper du Kélémorph. Du coup, je vais juste la laisser là pour qu'elle soit à portée des buffs. Sachant que ouais, elle va jouer de toute façon avant mes deux buffers. Bon, de toute façon, ça changera rien. Autant la mettre le plus près possible. Et à couvert. Donc, pas trop, parce que pas qu'elle se prenne des tirs. D'Argenta. Allez. Nettoie ma grande. I'll do it. Hop. Massacre jubilatoire. Un incendie. Et on y retourne. Un tir à la volée et on recommence. Ensuite, un récital furieux. Une maîtrise des armes à feu. Manque un ouvrier. Ah oui, il est là. Ouais, alors par contre, je risque de faire de l'over penetration, donc on va éviter. On va se décaler ici. Voilà. Bon, et comme il lui reste encore quelques tirs. Ah ah! Aux armes, âmes valeureuses. Leur tyrannie s'arrête aujourd'hui. Ouh! Il ramène des gros! Grag, d'accord. Et ben Grag, à toi aussi. Si tant, il me reste encore quelques tirs à faire. Raté. Ah, c'est chiant qu'il ramène là. Mais... ça va, oui. Pourquoi t'as tiré sur Eternal? T'avais rien fait. Ah, je peux pas le tuer. Ah si, je peux le tuer. À tirer sur les aberrants, il me reste encore des tirs. Ah, ça y est, elle a plus de tirs. Je pourrais déclencher le deuxième. Sauf que comme elle a plus de mouvement, ça servira à rien. Hop, Cassia. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle peut plus lancer le réveil de la lumière sur elle. C'était quand même vachement bien pratique. Vachement pratique ça. On va lancer sur Henrix. Ensuite, tu vas venir te mettre là. Je sais pas s'ils sont assez proches pour que tu puisses. Ah, bon. Bah, du coup, c'est pareil, il a encore appelé bête de Krebos là. Je pense qu'il a, du mal. Si je survole trop vite, il leur donne le nom des fantômes que j'ai affrontés dans le sanctuaire. C'est quand même bizarre. Hop, allez. Némésite s'est accroupi en serrant ses côtes, d'où s'écoule un filet de sang. Son corps meurtri n'a cependant rien perdu de sa force, et toute sa posture suggère qu'il a l'intention de continuer à se battre. Le justicier vous lance un sourire ensanglanté que ne dissimule plus le foulard rouge qui couvrait jusqu'ici son visage. Vous êtes faible, il en faut plus que ça pour m'impressionner. Le regard brillant et familier du joueur de flûte des ponts inférieurs, lui d'une audace manifeste. L'humble escroc qui roulait les naïfs avec son bras dressé vous adresse à présent un signe de tête moqueur. J'attendais impatiemment cette rencontre, seigneur capitaine. Débarrassé de ses lunettes brisées, le crâne chauve apparaît couvert d'énormes excroissances. Mais la nature mutante de votre ennemi est trahie tout aussi rapidement par une caractéristique plus troublante encore.
un troisième bras émergeant de son torse. Vous observez ses doigts vider habilement le barillet d'un vieux revolver avant de le charger avec de nouvelles balles. Je vous connais, vous êtes ce colporteur de la ligne de frais qui divertissait la racaille avec ses jeux et sa musique. Pas seulement, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi chanté d'inoubliables ballades sur la cruauté des officiers, l'inhumanité du seigneur capitaine et la bravoure du glorieux Némésite. Personne n'a jamais remarqué le pathétique joueur de flûte qui avait toujours quelques cartes de rationnement pour corrompre les prévôts. Rien n'a été plus facile que me cacher dans les ombres de votre royaume pourri. Ses lèvres tremblent de contrariété, jusqu'à ce que votre inquisiteur domestique se mette à fouiner et à mettre le nez dans mes affaires. Vous, vous aimez vous entourer de serviteurs utiles, n'est-ce pas ? Eh bien moi, je préfère de loin avoir des camarades loyaux et braves. Ils ont même été jusqu'à risquer leur vie pour me cacher. Vous avez échoué. Votre combat pour la délivrance du vaisseau touche à son terme. Avez-vous un dernier mot à dire avant de mourir ? Némésite éclate d'un rire moqueur. La liberté, je ne me soucie ni de la liberté ni des foules prêtes à offrir la Chine à votre joue. Je ne mourrai pas pour ces misérables et je donnerai volontiers ma vie pour provoquer votre chute. Vous et vos bons à rien avez poussé de la même graine pourrie. C'est pourquoi il est si facile de vous berner. Némésite et sa marche contre l'autorité ne sont rien d'autre qu'une belle histoire pour la populace, un outil bien pratique pour recruter ceux qui s'estiment lésés et dépossédés. Mais vous devez tous mourir pour ouvrir une voie aux méritants plus purs, plus pieux et plus courageux qu'aucun de vous ne le sera jamais. Hop, l'homme qui vous a élevé était-il aussi stupide et susceptible de croire un conte de fées ? Vous êtes-vous aussi servi de lui ? Vous m'avez tout l'air d'un fanatique prêt à se sacrifier pour une cause supérieure. Savez-vous seulement qui je suis ? Avez-vous donc jamais entendu parler de mes exploits pour croire quelqu'un que vous avez le moins de chance de me tuer ? Persuasion, rire, je vois vous n'êtes qu'un arriviste de plus qui utilise la langue de vipère pour comprendre l'esprit de ses congénères. Vous avez menti et condamné à mort ceux qui vous écoutaient. Vous serez châtié pour cela. Je me ferai la voix de ceux que vous avez conduits à leur perte. On va rester en persuasion. 99. Némésite siffle de colère sans remarquer qu'il tient son revolver avec moins d'assurance. Juste un de plus. Mon nom circule sur tous les ponts de ce vaisseau. Je suis bien davantage qu'un arriviste de plus. Je suis votre condamnation à mort. Rendez-vous et vous serez jugé équitablement pour vos transgressions. Non. Vous serez le dernier Némésite à servir à bord de ce vaisseau. J'y veillerai. Vous semblez bien sûr de ma défaite, déclare Némésite en jetant un coup d'œil au revolver qu'il tient dans sa main, avant de vous dévisager à nouveau. Je vous tiens devant moi, avec un pistolet chargé. Je crois que notre danse est encore loin d'être achevée. Le temps semble devenir visqueux, au point de vous ralentir, mais votre corps réagit de lui-même au moment où la main ensanglantée de Némésite lève son arme. Pas le temps de tergiverser, vous dégainez votre arme et pointez le canon sur Némésite. Mais celui-ci vous tient déjà en joue, un sourire malveillant aux lèvres. Les deux bouches noires se font face et le monde autour de vous se réduit à une simple ligne. Kibella surgit comme une ombre en proximité, armée d'une lame au reflet menaçant. Menace manifestement prête à bondir, elle lâche dans un murmure. C'est votre fil et nul autre que je vais trancher aujourd'hui. Gardez votre message pour votre faux dieu lorsque vous vous présenterez à lui, servante de la mort. Je suis heureux d'avoir la chance de pouvoir vous tuer tous les deux en même temps, dit-il en braquant son deuxième pistolet sur Kibella. Je fais le serment d'anéantir votre secte meurtrière en même temps que le seigneur capitaine. Sociable, je suis pas très sociable avec Eternel, c'est pas... Connaissance Imperium, ah, Connaissance Imperium je peux. Commerce, pas fou non plus. Peu importe qui vous appelez à l'aide, car j'ai le soutien dans l'empereur Dieu en personne, vous êtes donc condamné. Si vous connaissiez ne serait-ce qu'une bribe de vérité à propos de mon dieu, vous seriez déjà en train de ramper à mes pieds en implorant une mort rapide. Tout à son laïus illuminé, Némésite a cessé de braquer le réticule de son arme sur votre personne. Un silence tendu s'installe auprès de vous. Après tout ce que... Ah ! Un silence tendu s'installe après tout ce que tout a été dit, j'ai du mal décidément. Puis Némésite ajoute à voix basse, « Il est temps. Adieu, seigneur capitaine. » Son sourire acerbe se décompose pour être remplacé par le calme froid et indifférent de la grimace d'un crâne. Le temps s'arrête un instant, puis, comme sous l'effet d'une onde de choc, les événements s'enchaînent à la façon d'un déluge d'éclats d'obus meurtriers. Capacité de tir ou logique. Adresser un hochement de tête à Kibella et agir de concert pour déconcerter l'ennemi. Kibella et vous agissez d'un même mouvement et réussissez à déconcerter Némésite par une manœuvre parfaitement synchronisée. Il hésite un instant à tirer, mais pas vous.
Pan. Kibella prend une grande inspiration et essuie le sang qui macule sa lame, alors que la tête tranchée de la légende vivante gît à ses pieds. Observez le cadavre. Le corps décapité gît immobile sur le pont. Le cou tranché vous regarde fixement depuis l'arête grotesquement déformée de sa colonne vertébrale. Le pouvoir de la légende populaire se dissipe dans l'air, comme la fumée qui s'échappe de la bouche de son revolver. Kibella, tout va bien ? Il ne m'a fait aucun mal, dit Kibella en observant le corps de Nemésite avec une expression indéchiffrable. Mais il a tenté de le faire. Telle était son intention, et il n'y a jamais renoncé jusqu'à son dernier soupir. Il est mort dignement. Ainsi s'achève la lutte de Nemésite. Kibella ramasse la tête coupée et plonge son regard étrangement triste dans les yeux éteints. La lutte ne se limite pas aux gens. La lutte est une affaire d'idées dont les gens ne sont que les vecteurs. Les vecteurs de la lutte. J'ai besoin de réfléchir à cette mort, Domine. Je dois me présenter devant l'immortel et écouter son murmure sacré. Nous discuterons de tout cela après. D'accord. Alors du coup, promesse de châtiment, promesse de liberté. Ah oui, ça c'est un revolver standard, d'accord. Chaque coup porté par cette arme, plus un de fatigue pendant un round, sauf si, ouais, ok. Bonus de combat à distance, point de dégâts direct pour chaque cumul d'effet fatigue dont elle s'ouvre, d'accord. Donc c'est du combo. Tirer avec celle-là pour infliger l'effet fatigue, et du coup celle-ci infligera un bonus supplémentaire plus la cible sera fatiguée, d'accord. Et relique de saints inconnus. Lorsque le porteur a moins de 50% de blessure, il esquive automatiquement les deuxièmes attaques de ses adversaires. Cet effet dure jusqu'à 2 rounds. Ok. Tous de la dynamite. On n'utilise pas de la dynamite sur un vaisseau. Possible ça. Ils m'ont tué mes cosmomarins. Fusil à aiguille. Bien. Passerelle. Parler à Kibella sur la passerelle. Eh bien, allons parler à Kibella sur la passerelle. Donc le Némésite est mort. Mais est-ce qu'on a éradiqué le culte Génestealer qui traînait sur le vaisseau, ou est-ce qu'il y en a encore? Hop. Bon, on va s'arrêter là YouTube pour cet épisode. Il est déjà un peu plus long que les autres. On se retrouvera sur le prochain pour aller parler à Kibella et continuer à dénouer l'intrigue. Ça m'étonnerait que la menace soit aussi facilement endiguée. Ne serait-ce qu'ils annonçaient une quinzaine d'heures, on en est à peine à 7 ou 8 là, donc. Surtout en lisant tout. Donc. Je pense qu'il doit en rester encore un petit peu à faire. On se retrouve la prochaine fois. Des bisous YouTube, à bientôt.